synchronisation. 1, 2, 3, 3. Je La couille. passe. Oh, t'as vu. Alors, on va Elles l'allumer. me suivent Tu me partout, les suis? photos. C'est des messagers. Celui-là, je vais le placer. Celui-là, tu vas l'allumer à la fin. Celui-là, regarde en sauvegarde. C'est un bon présage. J'ai un vieux coucou, la qualité est à 0. Moi, toujours. Ouais, non, mais ça peut toujours servir. Ça, voilà. La voiture de Catherine, puis j'ai rien oublié, la spirit à la. Moi, j'ai la propre. Celle-là, c'est ça. Je vous ai vu. Celle-là, c'est ce qui va filmer le QG. Ouais. Là, on va tout allumer. Je reviens, j'enregistre ici. D'accord. Bah, je vais m'enregistrer tout de suite. Ouais, moi je fais un petit truc et puis hop. Là, ça enregistre. Connexion. Et tout y enregistre. Voilà, c'est parti. Ouais. Plein d'écran, on n'a plus rien à toucher ici. Bon, on va attendre les boules. Et voilà, ils vont se calmer après. On va tout vite écraser sur le petit. Bonjour, bonjour. Alors, on va allumer plusieurs caméras. Donc si vous êtes ici, n'hésitez pas à vous mettre devant, on va baisser les volets au fur et à mesure, hein, qu'on avance. Voilà. Voilà, je vais allumer celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est intéressant ça. Ouais. Aucune caméra ici. Par contre, celui-là, je l'ai mis directement à la fin, mon Dieu. Je sais pas. Ouais, on va fermer là-bas aussi. Par contre, on va l'allumer là-bas. Hop là. Voilà, il est sur photo. Génial. Voilà. Ça enregistre. Attends, non, faut que j'ai fait une connerie. Tu vois, c'est la nouvelle, faut que je désactive la date. Ouais, la date, ouais. Voilà, ouais, c'est bien se marquer. Alors, on va venir. Sinon, ça marque, c'est ça? Ouais, sinon, il y a date en bas, je déteste ça, tu vois. Ouais. La date, l'heure, tout ça. Tu vois, c'est pas le même que sur l'autre. C'est chiant, ça. Toi, t'as des gros doigts. Voilà. Et là. Ah, ouais. Voilà. Il enregistre. Night shot. Ok. Celui-là, on ne peut pas le baisser plus. Si, j'ai laissé comme ça pour l'instant. Hein? Je savais pas si je vais le laisser sur le bout. Celui-là, on peut le baisser. Là, je sais qu'on ne peut pas avec les fleurs. Non, celui-là, on peut pas. Celui-là, je pense que c'est. De toute façon, on peut pas vite faire noir. Ouais. On va allumer la caméra là. Il n'y a pas de volet ici. Je ne sais pas, il faut fermer la gauche, je pense. Okay. On va fermer la gauche. Qui c'est qui a fait le montage? Là. Je m'en affarouche tout de suite aussi. L'orangiste et affarouche. Allez, bon. Là. Normalement, je voyais. Allez, bon. Là, faut que j'arrête d'avoir, j'ai mis une petite tafone. Là, t'en as allumé aucun dictaphone, ça fait le mien. Ouais, là-bas, faut que j'allume. C'est normal que ça allume, ça? Ouais, depuis tout à l'heure, ça allumait. Et quoi? Depuis tout à l'heure, ça allumait. Bah, c'est quoi ce truc-là? C'est un petit ange. Il t'a allumé tout à l'heure? Ouais. Je l'ai pas vu, moi. Non, en plus, j'ai pas vu. Même ça, moi je l'ai vu allumé après, ouais. De demander à. Allez, le petit ange qui est allumé, il est déjà allumé? Oui. Ouais, c'est bon, il a été à Fab. Ah, il était déjà allumé. Bon, lui, il enregistre. Alors, synchronisation, 1, 2, je vais mettre ton infrarouge 3. Aussi. Je vais allumer celui-là. Et quoi? On va mettre ton infrarouge là-bas, je vois qu'il y a tiens. Tu n'es pas en infrarouge, toi? Non. Non, je vois tout noir. Voilà. Je vais mettre un spot.
même celui-là. Ah, c'est mieux. C'est lourd la préparation, hein. Ah, il faut tout mettre en route. On va démonter, ça va vite après. Ouais. Tu prends du par terre. Ouais. Après, j'avais pas la maison en tête, tu vois, je savais pas comment placer en vrai. Ouais. Bon, ça va, il n'est pas très grand. Beaucoup, il y a pas mal de pièces, ça. Celui-là, il enregistre. Synchronisation. 1, 2, 3. Là, ça, je m'en sers pour caler les sons. Là, il y a un K2 ici. Ouais. Le deuxième est là. Ouais. Je te le laisse plus pour l'instant. On va faire une petite vérification, baisser les volets. Ici, Ludo, on a le pod. Attends, j'arrive. Alors, je vais baisser le volet. On a le pod ici. Il n'est pas allumé. Il n'est pas allumé. Oh, tu vois ? Ouais, impeccable. Ouais, c'est ça, c'est la radio, la source électrique. Donc on l'allume. Le pote. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Refaire le volet, Fab. Je crois que c'est le volet qui a mis le pote. Non, c'est pas le volet. Ici, il fait s'allumer, c'est éteint. C'est pas le volet qui a allumé le pote. Non, mais là, c'est pareil, il s'est allumé, c'est éteint. Ouais. Tu as entendu le pote? Ouais, j'ai entendu. Alors, c'est quelqu'un dans la pièce? Là, c'est moi. Redéclencher cet appareil en le touchant. Il vient de sonner. Putain, j'ai un frisson. Là, c'est tout froid ici. Mmh. Ici, c'est pareil. Allez. Bonjour. Dictaphone LOL, ça se calme, je vais laisser la pièce là. Là, je me mettre à la lumière là, pour l'allumer. Putain, la merde, on a loupé le pod. Non, il était pris avec la caméra. Ouais, ouais, mais bon. Jacques, tu peux me resserrer un peu? Attends, le... Je passe ça. C'est qui a fait un bruit? Il y a quelqu'un qui a parlé? Non. Ah, c'est la poule. Non, c'est la poule. Voilà, il enregistre lui. Je le mets ici. Tu veux quoi? Là, y est, c'est bon. Ah. Tu comprends? Parce que là, il y a des bouches plus. Hein. Ouais, on verra bien, on va le surveiller de toute façon. Ouais. Bon, là c'est fait, là c'est fait. Là, il y a... Ça, toi derrière les dos. Ouais, t'inquiète. Là, on peut pas. Là, ici, il n'y a rien à faire. Non. Alors, si vous avez déclenché le pod tout à l'heure, faites-le, s'il vous plaît. Il s'est déclenché, j'ai entendu. Donc, redéclenchez le pod devant moi. Allez. Il a bien sonné, hein. Ouais. Oh, punaise. On sent une caméra, on va le voir si vous déclenchez mon pod. Alors, est-ce que vous êtes dans le salon, installé dans le fauteuil, non? Je crois que c'est pas bon de laisser le sac comme ça, ils ne me connaissent pas. Il n'a pas touché l'appareil. Allez. Il y a tout petit bruit, mais que là, tu vois. Entendu, c'est le, l'aquarium. Ah d'accord, fais-le voir. Donc le boule qu'on entend, c'est l'aquarium. C'est des gullies, ça. Ouais, des petits gullies. Ouais, c'est des petits pichons. Tu vois bien dedans, c'est bon? Impeccable. Toujours le foie rouge. Ouais. Il y a que toi qui brouille la vidéo, c'est tout. Je brouille? Ouais. Comment ça, je brouille? Donc là, le foie rouge, c'est bon.
Ouais, juste un petit signe avant qu'on commence là. S'il vous plaît. Il est allumé celui-là ? Non, pas encore. Bon voilà, moi je crois qu'il va allumer. Hein. Ouais, bah, plus haut. Ouais, Fabrice, il va allumer ses jouets. Ouais, bon, en fait, une machine à route, comme tout à l'heure quand on a fait des essais. Ça fait pas mal. Vous pouvez parler à travers. Et on va s'entendre directement. On y va ? Ça fait un peu de bruit. Chacun ses oreilles, si vous en avez encore, bien sûr. Ah, c'était quelqu'un ici avec moi. Il y aurait une personne dans la maison, ou deux personnes. Très bien. Je répète, est-ce qu'il y a une personne près de moi ou dans une autre pièce? Ok, à moi, Jacques, Ludo, Fabrice, si Annie vous dérange, dites son prénom, il sortira. Allez-y. Il y a un gros déclenchement de pod là-bas, ça vient. T'as entendu? Je sais, j'ai vu un truc avec l'écran. Je vais la faire dans la chambre. Après, que tu rentres après. Là, ici. Là, je sens. Vous êtes ici? À toutes les tâches. Toutes les personnes qui seraient ici, venez vers ma voix et entrez en contact avec moi s'il vous plaît. Je vous écoute. On n'est pas là pour vous chasser, on veut juste savoir qui est là. On n'est pas méchant. Bon, je vous demande de nous respecter aussi. À savoir, vous ne faites pas peur du tout. Est-ce que la croix qui est sur le mur vous dérange? Donnez-moi un prénom si vous êtes là. Juste un prénom. Tu m'avais déjà dit de venir pour te parler. Ouais. Est-ce que vous voulez parler à la dame qui habite ici? À Jimmy. Alors vous êtes où? Venez. Vous avez des questions? Donc, Jimmy, pas normalement. Jimmy, mets-toi par là comme ça, moi je suis pas très tard. Il y a Jimmy qui est là. Tu vas pas normal. Papa, maman, si vous êtes là, vous pouvez parler. Quand vous reconnaissez une voix, il faut le dire. Répondez à Jenny, s'il vous plaît. C'est toi, papa? Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger le cadre qui est juste là? Si oui, refaites-le, ça serait cool. Le chien qui a grogné. Jacques, décale-toi un peu par là. Décale-toi un peu par là parce que j'ai le reflet du... Non, là-bas. Il y a longtemps qu'elle est là, quoi. Non. Maman. Maman. Maman.
Vous avez compris? Vous avez compris quoi? T'as compris quoi? Oui, c'est maman. C'est maman. C'est maman. C'est toi, maman? Ah, maman? Nelly, c'est quoi? Nelly. Est-ce que c'est Nelly qui a parlé? Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Est-ce que c'est Nelly qui a parlé? Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Est-ce que c'est Nelly qui a parlé? Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. C'est moi. Nelly, bonjour, moi c'est Jacques. Et je vous rappelle, on va rentrer en contact avec vous. Ça vous dérange pas? T'as pas entendu? Elle le sait très bien, c'est moi. Vous Jacques? Je m'appelle Jacques aussi, ça tombe bien. Est-ce que vous êtes là tous les deux? Il y a Sonia qui va venir avec la pendule. Si vous êtes là, faites-le bouger. Elle peut venir, Sonia? Si ça ne dérange pas. Je ne peux pas venir. On va absolument être en contact avec vous aujourd'hui. Donc ça nous a répondu, c'est maman. Bonjour Nelly. Pour Sonia, tu as la pendule dans sa main. Allez-y, faites-le. Je vais juste faire bouger. J'ai parlé en même temps. Attends, chien, il fait bouger. Ouais. Jacques, attrape le. Oui, je me mords aussi quand je suis. Fabrice, tu peux l'attraper, s'il te plaît. Bon, mon dieu. Je veux juste un contact avec Nelly ou Jacques, personne d'autre. Nelly est dedans. Je sais que c'est dur, il y a des batteries partout, prenez de l'énergie. C'est lui, c'est... Vous pouvez aussi me toucher, touchez Fabrice ou Ludo pour montrer que vous êtes là. Doucement, Ophir. C'est lui, ouais. La personne qui a répondu ses mamans tout à l'heure, merci de le refaire. Mais lui, si c'est vous, faites bouger de gauche à droite. Vous avez une question? Une question à poser? Que nous, on n'est pas au courant que vos parents c'est. Non. Une question que... C'est évident, c'est... Une question qu'il n'y a que elle qui peut te répondre. Sur sa vie personnelle. Ou un mot qu'elle te disait ou un surnom qu'elle te, elle te donnait. Un surnom? Un surnom? La couleur. La couleur. La couleur. La couleur. La couleur. La couleur. Vous êtes combien ici? Dites-moi le chiffre. À combien êtes-vous ici? Il n'y a pas que deux personnes, c'est impossible. Ouais. Qu'il y a une personne pas très catholique, venez vers moi s'il vous plaît. Elle m'a arrêté la machine. La personne, il y a une personne bizarre. Entrez en contact avec moi s'il vous plaît. Autre que Nelly ou Jacques. Allez. C'est faible. Bien. Ça va? Si vous entendez ma voix, venez vers moi, s'il vous plaît. Et parlez dans cette machine. Nous, on va mieux comprendre quand on fera les analyses, comme ça enregistrer. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que la croix vous gêne qui est là?
Ça donnait quoi le portail tout à l'heure? J'ai demandé si c'était Nelly, on m'a répondu oui. Après, lit bougé, alors je sais pas trop, mais je vois pas très bien. On le ferait pas sur la table, ça? Ou bien on le ferait la pièce au calme? Ouais, moi je veux que ça soit plus droit. Plus stable pour toi. Bon, moi c'est bien d'être rationnel, dire cette tête c'est bien ça. Bah. C'est pas moi. T'as vu, tu fais des compliments. Alors comment s'appelle la personne qui vit ici? Donnez-moi son prénom. C'est la même voix qui revient. Ouais. Je peux pas remonter, il n'y a pas d'étage. Là, il bouge la tête. Bon, elle est là. Enfin, vous êtes dans quoi, je le sais. Il y a un appareil qui est juste là. Soit vous me parlez, soit vous le déclenchez. Vous montez les lumières à fond. Ça c'est gentil. Moi je verrai que vous êtes ici. On fait mal. Ouais. Ça c'est con. Déclenchez l'appareil qui est juste là ou celui de Fabrice dans sa main. Il s'est explosé dans le lit. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai Ludo qui s'est explosé sur le coin du lit. Il s'est fait mal là, je pense. Bon bah, le coup j'allais chercher une couille derrière. Ouais. Donc tout à l'heure, j'ai eu une dame qui m'a répondu oui, c'est maman. Et vous, cette personne, j'aimerais entrer en contact avec vous. Wow. Ça fait mal. Vous savez, ce boulot, il revient à chaque fois. On monte et je peux pas monter. Deux fois plus dur, on monte. Il y a un grenier. Deux fois que ça me dit en monte. Il est ici? Non, il n'y a personne ici, je sortirai. Il n'y a personne. Il n'y a rien ici. Je vais bientôt arrêter la machine. Bon, c'est le moment de nous laisser un message, s'il vous plaît. On veut juste des réponses pour Jenny qui habite ici. Savoir si ses parents sont là. Allez! Derrière moi, Jacques. Derrière moi. À toi. Ça fait froid. Oh, peut-être aussi une propriété. Comment ça se fait? C'est quand même vraiment ça marche ici. Est-ce que les anciens propriétaires sont ici? Vous croyez que c'est encore votre maison? Mon frère. T'as répondu ouais. Vous habitiez ici à l'époque? Je vais bientôt arrêter la machine, on va passer à autre chose. On te répondait? C'est lui. Allez, je l'arrête. Et tout à l'heure, c'était beau hein, le truc. C'est ouais. Maman, c'est. Quand je l'ai chopé des. Ouais. C'est maman. C'est maman, elle le sait, c'est moi. Ouais. Ouais. C'est, c'était beau, hein, ça reste, c'était beau. Hein. Ouais, si, c'était plus clair. Hein. Ouais, c'est. Regarde, j'ai encore la chair de poule. Mais puis le truc qui s'allumait, là. Vérifiez la caméra qui est dans la chambre. Ah, bah, de toute façon, ça aura. Non, mais celle qui, donnait, celle qui donnait vers moi. Tu te rappelles quand je t'ai dit derrière moi? Ouais. Je pense que. Et à un moment, je crois avoir vu le nombre. Sur mon côté, sur le côté. Pardon. Ouais, venir passer derrière moi. Ah, quand tu m'as dit derrière toi, là? Ouais. Ouais, j'ai cru voir aussi. C'est pour ça que je regardais comme ça. Moi, je t'ai dit à Fabrice parce que je voyais quand vous étiez dans la chambre, en fait, je voulais que vous alliez au radiateur. Je voulais faire un radiateur. Ça va, ça fait pas peur. Non. Parce que les gens vous ont peur. Non. J'y vais peiner. Non, on disait, bah ouais, c'est ce que ça leur rassure. Mais vous voyez pas ça comme ça. J'ai des frissons dans tout le dos. Et quand je dis des frissons, t'as l'impression qu'il y a au moins 15 mètres d'écart. Bon, ça fait de fou. Ah, j'ai fait d'abord au fond, j'ai mes produits, il reste tout seul.
Et les appareils, ils réagissent pas. Ah, ça sera mieux avec une carte. Et après, tous les points. Allez, à 3, lâche une caisse en même temps. Pour voir le nuage que ça fait derrière. Regarde là, c'est fait de la fumée. 1, 2, 3. C'est fait de la fumée, c'est les deux. On va faire. Celle-là, elle enregistre. Celle-là, elle enregistre. Il y avait un grondement. C'est bon, c'est mon bidon. C'est bon. Et c'est du dos, pète. Donc il y a Fabrice qui a une caméra dans ses mains. À tout moment, vous pouvez vous mettre à côté de moi, à côté du dos, il verra dedans si c'est chaud. Donc quand c'est froid, c'est bleu, ou bleu-blanc, tu vois. Et rouge. C'est chaud, quoi. Ouais. Bon, on fait. De toute façon, on doit peut-être à la cave. Rouge ou jaune, en fait. Je sais pas. C'est un chinois. Je peux pas tout avant de descendre. Bougez pas. Ah non, tu peux laisser éteindre. Ah bon, on va se casser la gueule. Ah ouais. Tu veux que je demande la lampe de poche? J'ai une torche dans. C'est dans laquelle? Où tu sais que je mets les accessoires. Dans la grosse caisse noire. Je vais chercher, tu es équipé sur le truc. Ah, sur trop, pardon. Mouche au bien clair, ça va. Attention, Fab. De toute façon, vos têtes, c'est vraiment bas. Et la première marche, elle est basse. Je laisse ouvert. Jacques, tu pourras m'éclairer en haut que je ne m'accroche pas. Vas-y. C'est pour voir si je passe. Bah, accroupis-toi là, reste là, accroupis-toi, si toi sur la marche au pire. Je vais me mettre d'abord au fond. J'ai un gros plan sur les fesses à Fabrice. Je vais me mettre au fond. J'ai oublié ma lampe. Fabrice, t'es devant moi. Ah, il n'y a pas trop de place pour moi. Non, c'est que j'avais son fessard sur l'écran. Là, tu me vois dedans, Fabrice ? Mais attends, j'ai trouvé un peu quoi. Ah, s'il y a quelqu'un dans cette petite cave, manifestez-vous, s'il vous plaît. Je vais allumer la machine. À tout moment, venez à côté de moi, touchez-moi, et poussez-moi s'il faut. Eh, j'ai plus rien du tout, en fait. T'as plus rien, quoi ? La thermique, j'ai rien. C'est noir. Ah ouais. C'est noir, c'est éteint. Ben non. Si elle s'était appuyée sur le bouton vert une fois, j'ai oublié la régler en rouge. La veille, elle a dû se mettre. Ah putain, je peux pas enlever ça. C'est pas évident ici. Hein. On restera pas longtemps ici. Là. J'allume la machine. C'est quelqu'un dans la cave avec moi, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, je reste pas longtemps, c'est petit, c'est humide. Ah, si vous êtes là, faites-nous savoir, s'il vous plaît. Sans prendre une pierre. Ouais. Allez. Eh. Ça m'éteint carrément le spirit à chaque fois. Deux fois. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui touche à ma machine? Est-ce que le bruit vous dérange? Ici, je ressens absolument rien. Non. Je reste 2 minutes, 2-3 minutes en plus. Si vous avez un message, c'est maintenant. Vous êtes en haut ? Vous êtes où, derrière moi ? La personne. Non. Vous n'existez pas, peut-être ?
Qu'est-ce que tu fais pendant que je règle ça? Tu vas avec Fabrice poser des questions dans le... Allez mon petit Fafa. Pas terrible là, quand. Il y a rien en fait. Tu veux qu'il prend... Je suis à la porte. C'est la porte. Tu veux qu'il prend la spirit ou... Déjà faire une séance PVE. Voilà. Il y a le dictaphone sur le lit là-bas. T'as vu comment on fait une séance PVE? Ouais. Le dictaphone, pendant ça, je vais régler ça. Pour PTE, PVE. Ouais. J'ai ça, ça va être suivant. Les PVE, c'est du dos, ça, c'est des P vraiment exceptionnels. Bon, je vous laisse faire. Hein. Comment ça? C'est droit ici. Bon, moi, je suis Fabrice, il y a Ludo avec moi qui est en train de filmer. Vous pouvez répondre à l'appareil qui est ici. Si on ne vous entend pas directement, on pourra vous entendre à l'enregistrement. Donc, si vous êtes là, faites un signe. Prouvez-nous que vous êtes là, touchez l'appareil, cet appareil qui fait du bruit, regardez. Voilà. Pas besoin de toucher, juste s'approcher, ça fonctionne. Vous avez le oui, le non. Si vous avez assez de force pour appuyer dessus, pour nous faire comprendre que vous êtes là. Donc je répète, moi je suis Fabrice, Ludo qui filme. Vous avez Sonia qui est à la porte, Jacques qui est par là, et nous sommes dans la maison de Jenny. Donc si vous êtes quelqu'un qui la connaissait, manifestez-vous, faites-nous signe. Touchez les appareils qui vont sonner ou s'allumer pour nous prouver votre présence. C'est calme, il n'y a plus rien. Vous pouvez nous toucher, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais mettre après. Touchez-nous, prouvez que vous êtes là. On est là pour ça. On sent que vous êtes là, on vous le sent. Laissez-nous un nom. Ou un message que vous avez besoin de passer, laissez-le. Essayez de nous donner votre prénom. Parlez dans la machine qui est juste là, ici, cette machine-là, qui va enregistrer votre voix et qui nous dira ce que vous voulez savoir ou ce que vous voulez dire. Vous avez ça. Vous pouvez le faire tourner. Il est sur oui, mettez-le sur non. N'ayez pas peur du matériel, il vous fera pas de mal. C'est juste un appareil pour prouver votre présence. Cet appareil qui est là-bas, vous pouvez le toucher également, ça va faire de bouger la lumière en fait, qui va me faire monter jusqu'au rouge. Prouvez-nous que vous êtes là, touchez cet appareil. Wow, frisson. Tu sens pas? Si. Ici? Si. Là, non? Au niveau de là? Ouais, ici, ouais. La température est plus froide. On sait que vous êtes là. N'ayez pas peur. On veut du mal à personne. On veut juste savoir si vous êtes là. On veut juste savoir qui est là. Mais tu sens plus ici que là, là tu sens rien en fait. Non, non. C'est les deux chambres là. Ouais, ici tu sens rien en fait. Non. Ici c'est la chambre du petit.
C'est toi qui viens de respirer fort? Non. Bouge pas. Repars un peu en arrière. J'ai entendu 2-3 respirations fortes. J'ai pas entendu. Juste là. Faites un bruit, tapez sur une porte. Prouvez-nous votre présence, tapez sur un mur, tapez sur une porte, sur un meuble. Tu l'as encore entendu? Comme si quelqu'un d'essoufflé, tu vois. Ah ouais? Ouais. C'est moi qui l'ai de... Non, 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 pas là, ouais, là tu l'as dit, mais non. Si, j'ai entendu un boum, comme si il y a un truc qui craque. Ouais. Allez, n'hésitez pas, faites un bruit. Faites-nous voir que vous êtes présent. Si vous êtes Jack ou Nelly, les parents de Jenny, prouvez-nous vous êtes là, faites un bruit. Il n'y a rien dans la chambre. Ça va? J'ai entendu des respirations. Tu sais quoi, je vais te dire, je vais voir les doigts, il n'est pas bien. Tu peux demander. Hein. J'ai entendu des respirations. Et où? Juste dans le coin là. Dans le coin. Je viens de demander à Fabrice. Et on entend des petits coups ouais. Comme ça. Ici. Fume ici, c'est ici. Tu peux continuer tes questions, Fabrice, si tu veux. C'est qui veut respirer? La lumière. Elle est éteinte. Ouais, elle est éteinte. Ouais, la lumière elle est éteinte, ouais. C'est qui a respiré fort? C'est pas moi. Je l'ai encore entendu. À quel côté tu l'entends? À côté de moi. Ah, mais quel côté? T'en as deux, droite et gauche. Non? Ouais, au niveau de là. Oh putain, t'as fait sortir un truc, toi. Allez, vous me bougez ce cadre, s'il vous plaît. Vous le faites tomber. Vous jetez sur le lit. Vous jetez, vous le posez. Sans c'est filmé. Même qu'on n'est pas là, vous pouvez le faire. C'est moi. Allez, sur le oui. Touchez un des deux appareils. Celui-là ou celui-là. J'ai mis un oui, non, là. Passez simplement. On va mettre sur le oui, sur le non. C'est une petite phrase pour nous. Je le laisse sur le oui. Passez devant, ça va vous prouver vous êtes là. Vas-y. Tu vas voir Fabrice. Oui, c'est mis devant la caméra. Dans la chambre à Flavie qu'elle a dit, Sonia. C'est une marche. C'est quoi là en bas à droite? J'ai entendu marcher juste ici. C'est la télé ça? La télé ça? Ah non, c'est quelqu'un qui bouge et qui parle. Venez vers moi, touchez-moi. C'est un faux plafond, c'est un truc. En fait, c'est un genre de faux plafond. J'ai regardé ça.
Ah bon? Est-ce que, en rentre, est-ce que c'est pas des objets qui seraient là-haut? Ça va. Tu vois? Ah, c'est des jeux d'enfants. Là, c'est des jeux de société. Il y a un plus. J'ai vraiment m'a dit qu'il y avait une trappe. Bon, pas pour monter, hein, mais... J'aimerais juste vous sentir, ressentir. Si vous venez près de moi, je peux vous ressentir. Attention à ce que vous faites. De nous entrer en contact avec nous, juste un bruit. Faut que ce soit fort et clair par contre, qu'on vous comprenne. Mettez-vous entre nous deux pour voir. Ouais, venez là. On n'est pas méchant, on n'est pas là pour vous chasser du tout. Faites-nous savoir que vous êtes présent. Ces mots-là. Faites un bruit. Après, si vous faites quelque chose, perdez pas de temps, on n'aura pas peur. Faut que ce soit gentil, quoi. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est ce nom où j'ai mis sur la pièce, t'as demandé? Non, je crois pas, je l'aurais dit sur mieux. T'as pas entendu marcher? Si. Ah, c'est tout? Ah, si. Bon, c'est Sonia qui a marché. C'est ça, Sonia? C'est Jenny. Jenny, c'est Jenny qui a marché. La locataire. Ma propriétaire. Vois ce qu'il te plaît. Toi, j'essaie de faire le vide depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Tu sens qu'il y a quelque chose, hein? Ouais, ouais, c'est quelqu'un. Le plus, c'est la pièce à côté, là. Tu sens qu'il y a quelqu'un, mais t'as l'impression qu'elle ne veut pas se manifester. On dirait qu'on lui fait peur. Ou qu'elle se méfie, plutôt. Mais tu sais, je fais le vide et... Après, c'est comme si c'est ma maison, tu vois. Ouais. J'y arrive pas. C'est pas malveillant, hein? Non, du tout. Pas du tout, hein. T'as là, il y avait une petite voix chelou, là, mais on n'a plus entendu. Mais ouais, t'as l'impression qu'ils sont méfiants, en fait. Là, tu vois pas rouge, plutôt. Ouais, ouais, t'inquiète. Et ma batterie, elle défile. Bah, c'est rien, de toute façon, j'en ai aussi dans les boîtes, j'en ai pris d'avance. Ouais, mais la dernière fois, quand on avait fait, elle avait duré toute la soirée. Non et 15% en 25 minutes. Ouais, c'est pas grave, on changera, puis c'est tout. On va pas s'inquiéter, quoi. Donc, on essaie d'entrer en contact avec les parents de Jenny, c'est ça? On va voir s'ils sont là. On a eu des réponses tout à l'heure. On va tout analyser. Ouais. Peut-être qu'ils ont plus d'énergie. C'était encore Jenny, ça. Jenny, t'es encore là? Non. T'as tout entendu le truc? Ouais. J'ai entendu un toc. Non, c'est dehors, là. Il y a un truc qui va te faire ding-ding. Ouais, j'ai entendu aussi. Ouais. Pas compris la caméra thermique que j'ai déjà retirée la veille en fait.
Ouais. J'ai pas compris qu'elle s'est arrêtée à la cave qu'elle s'est merveillée. Ouais, c'était complètement arrêté, ouais. Mais il y a un truc comme si on débouchait quelque chose. Ouais, ouais, des capsules. J'ai demandé si ça. Je te laisse avec Fabrice. Hein? Il est où Fabrice? Il va dans tu, laisses, tu vas filmer Fabrice, je te laisse avec. Je fais une autre photo. Pas de problème. Je donne pas d'ordre là, c'est. Non, non. Allez-y, on est deux ici. Prouvez-nous, vous êtes là. Faites un bruit, même léger. Oh putain, et. Je jure, franchement, j'étais en train de regarder l'écran, Ludo il était là, moi j'étais là, j'ai vu une boule blanche qui avait vu. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas de moustique, rien? Non. J'ai pas vu. Et là, non, ça faisait une belle moule, là, blanche. Il m'a fait comme ça, puis j'ai plus de remonter. Ah, c'est une mouche. C'est une mouche? J'ai peur de passer, regarde, là-bas. Juste derrière, pareil. Voilà, il y a Fabrice qui a confondu un fantôme. Elle est là. Elle est sur l'écran, regarde. D'accord. Fabrice qui avait perdu une mouche, il a pris pour la mouche pour la dame blanche. Il n'y a pas plutôt qui fait le con. Ouais, voilà, c'était la mouche blanche. Moi, j'ai... La mouche blanche. Voilà, tu vois, c'est... j'ai attrapé la maladie à Ludo. Bon, je te mets pas de spot parce que celui-là, Ludo, ça va faire trop sinon. Regarde, on voit déjà bien comme ça. Sur la caméra audio, tu l'enregistres là. Ok. Attends, celle-là. Voilà, enregistre. Bon, voilà, on a équipé Fabrice de la caméra thermique. Et on va faire une petite séance de spirit box. Ça va m'énerver, je crois, avec la lampe. Posez-la sur la table. Je vais la prendre d'abord. Je vais remettre la machine en route. Comme on a fait tout à l'heure, vous m'avez répondu. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai fait une perte d'équilibre. Ah ouais? Ouais. Tu devais me rentrer dedans en plus. Hein? Ouais, ouais, ça va. C'est sûr, hein? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, je vais refaire une petite séance de spirit box. Et je vais recommencer par la pièce top et on va aller au fond. Si vous êtes là, entrez en contact avec nous, s'il vous plaît. Et vous pouvez déclencher les appareils qui sont juste là à côté de la télé et sur le lit. Si vous appuyez dessus, ça fera ça. C'est le bouton. Et non. Non, non, et non. Bon, c'est des gadgets, mais c'est marrant. J'ai entendu parler juste avant qu'il déclenche. Qu'est-ce qu'il y a? Il semble avoir entendu une voix, je suis pas sûr. Mais à l'oreille. De ton côté ou par ici? Non, de mon côté. Donc c'est à chaque fois que tu es près de la salle de bain? Voilà. À chaque fois. Je suis pris de la salle de bain et quand je suis entre les deux chambres, là-bas. Vous êtes prêts? Vas-y, mets-toi avec Fabrice. Comme ça, tu prends le... Ça, voilà. Bon, j'aime pas. Tu pourras me dire si tu vois bien dans la petite caméra qui est en haut. Si c'est assez net ou... Ouais, nickel. Nickel? Ouais. Bon, j'allume la machine, ça fait du bruit, je sais, ça casse les oreilles. C'est le seul moyen pour nous de vous entendre. Donc on y va? À vous de répondre si vous êtes là. Est-ce que vous êtes ici dans la maison avec moi, s'il vous plaît? Je suis toujours sur le oui. Si jamais elle s'éteint, t'as vu le bouton qu'il fallait reculer? Alors? Est-ce que Jacques est avec nous? Ou Nelly? Oui. Donc je suppose c'est Nelly, c'est ça? Est-ce que c'est vous, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous dirait de parler à votre fille? Appelez-la, dites son prénom. Allez, s'il vous plaît. Je sais que c'est dur, ça demande de l'énergie, vous pouvez en prendre en moi, il n'y a aucun souci. Papa, t'es là, papa? J'ai peur. C'est pas vrai. Je vous explique, j'ai dit qu'à Paris, elle m'a fait peur. En fait, j'ai demandé si ta mère était là, elle a répondu oui. C'est vrai? Ouais. C'est une réponse. Donc toute personne qui serait ici entrant en contact avec nous, faire cette machine s'il vous plaît. Êtes-vous là?
Il a dit, est-ce que vous m'avez dit, est-ce que vous êtes là, répondez-vous. J'aimerais entrer en contact avec Nelly ou Jacques, s'il vous plaît. La chaîne appareil là, vous pouvez déclencher. Ça fera une soirée disco, c'est Jaco. Il aimait bien danser, papa. Est-ce que la croix accrochée au mur vous empêche de parler? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une fois on a fait l'enquête. Et on est retourné sur le même lieu, j'ai mis des croix sur moi. Aucun résultat avec les croix. Tu veux que je les enlève en arrière? Non, au contraire, ça fera peut-être une interaction. Et j'ai arraché les croix, et je faisais de la provoque. Hop, j'ai enchaîné les réponses. C'est pas pour rien qu'elles sont là, tu vois. Alors, on les repère. Allez, une petite réponse, s'il vous plaît. Vous l'avez fait tout à l'heure. Maman! Allez, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Si vous avez besoin d'un support, je suis là. Allez-y. C'est ça. Ouais. Ok, continue. C'est mon père qui est là aussi. N'hésitez pas à vous servir de moi pour entrer en contact avec Jenny. S'il est là, c'est faible. Est-ce que l'ancienne propriétaire est ici? Si tu as vu que tu as demandé, n'hésite pas. Maman, dis-moi quelque chose par rapport à Flavie. Tu sais ce qui se passe? Comment elle va, ta petite fille? Il y a des escrocs. Qui est lui? On n'a pas bien compris, il faut que je sois fort et clair, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il y a des escrocs par rapport à Flavie? Maman, c'est important, tu le sais. Tu crois que c'était elle? Il y a combien de degrés ici? J'en peux plus là. Là il y a 25, 26. Ça fait super chaud. Et tout à l'heure faisait froid. 33,6. Le plus chaud 33, 34. Le plus froid 21. Donc on aimerait une petite réponse, mais quelque chose de concret. Et on veut que ce soit fort et clair, s'il vous plaît. Allez-y. Êtes-vous présent? C'est très bon. Bien tout. Là. Je savais que vous étiez là. Là. Pour ça, j'ai sarpé comme ça. Là. Comment vous appelez? Vous appelez comment, s'il vous plaît? Moi, c'est Jacques, et vous? C'est pas rien.
Vous êtes là. Vous êtes ici. Là, viens là, viens là, viens là. Viens ça, va là, là. Tu sens? Il y a un froid. Tu l'as senti? Viens. Je mens pas. C'est qui? Il y a quelqu'un ici. T'as pas de source bleue, rien. Ah là, il fait froid, là. Mais il fait froid. C'est frais, mais... C'est qui est dans la pièce? Ah oui, mais... température, elle est passée de 20 degrés, elle est passée de 24 à 20. C'est qui est dans la pièce? On n'est pas méchant, on veut juste un contact. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut pas vous chasser. Faites un bruit. Il y a l'appareil, là, déclenchez-le aussi. C'est parti. C'est quoi qu'il y a dans le coin derrière toi là? Du côté de ta voiture. Ici, j'ai le tour de talon, mais il n'y a rien. Là. En bas. Il n'y a rien. J'ai le tour de talon. C'est le sac. Ah, le sac, ouais. Mais tout à l'heure, je voyais comme dans le caméscope comme une tête, mais il n'y avait rien. C'est le sac, en fait. Bon. De toute façon, on est là pour un petit moment, donc j'espère qu'on aura une réponse concrète. Hein. Il y a un homme aussi ici. Quand tu dis oui ou non. Vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour quoi? Si, hein? Ah, non, quand tu as demandé, vous êtes là pour quoi? Et comme réponse, moi j'ai entendu, et toi t'es là pour quoi? On verra bien, parce que là je comprends pas quoi. La dernière truc que t'as dit, hein, alors? Moi j'ai compris une phrase, mais bon, on verra après. T'as compris quoi toi? On verra après, ouais. Je te le dirai après. Ah, c'est ça, il y a toujours, on verra après. Non, non. Et si vous êtes là, pour du bien, pour du mal. Soyez froid avec moi. Je vais arrêter la machine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, si vous m'avez aussi. Ah, ça faisait longtemps. Ma maison est protégée. Moi, ouais, je lance des petites piques, c'est pas méchant. C'est juste pour voir et ça marche. Bon, j'arrête la machine. Vous appelez comment?
Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous connaissez la propriétaire de la maison? Vous êtes à part là? Est-ce que vous avez un message à nous donner? N'hésitez pas à prendre de l'énergie là où vous pouvez et répondez-nous. Est-ce que vous êtes les parents de Jenny? Je crois. Vous êtes derrière moi? Il y en a plein. Vous êtes autour de moi. Je vous sens. Il y a quelqu'un qui l'a. Je suis gelé. Ouais. Je crois que vous êtes là. Ici. Vous êtes ici, là. Répondez-moi. Mais je ne me suis pas collé au mur. Je sais, vous êtes ici. Bonjour. Je le sais. Je le sais. Manifestez-vous. Bon, on va aller voir. C'est la salle de bain que tu devrais essayer aussi. Ouais, on va faire une séance après. T'as fait peur? Putain, je te jure. Lui, il rigole. De chaque fois que tu vas dans le fond, non? T'as l'impression qu'il fait 10 degrés de moins. Là, c'est moi qui attire la porte. Hein. Non mais c'est un truc de fou, hein. C'est... tu vas là-bas, je frissonne à chaque fois. T'as ta lampe, Jacques? Tu vas faire quoi d'électricité? Oh, je regardais là. J'ai vu un truc, c'est pour ça. Ça c'est la porte. Mais moi je suis certain que j'étais pas appuyé sur le mur. On va regarder de toute façon. Tu fais une porte de la porte en plein dans le museau. Quand si jamais vous répondez pas, après on peut plus poser de questions. C'est pas marrant pour vous et encore moins pour nous. Il y a eu un bruit derrière. J'ai entendu. Il y a eu un bruit derrière. J'ai entendu. Il y a eu un bruit derrière. J'ai entendu. C'est drôle, c'est qu'on capte rien, mais il y a une tension. Ouais. C'est drôle de suite, t'as l'impression que. Là, Jacques, à côté de moi. Sur ma droite. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se manifester en fait. J'ai un froid à mon bras. Ouais, mais on voit rien quoi, c'est ça le truc.
Attendez, tout à fait, on va encore. Ouais. C'est bizarre. Mais là, on a eu plusieurs fois la même voix de femme. De toute façon, on n'a pas fini. Hein, c'est... On a eu plein de fois la même femme, je trouve. Qui répète toujours la même chose. Tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est. Dis ça. Non, on sait pas. Tout à l'heure, c'était ses mamans, c'est beau. Ouais. Ouais. C'est maman, elle le sait, c'est moi. La couleur. Fois, tu sais qui c'est, tu sais quoi. C'est... Non, c'est quoi. Est-ce que c'est pas un esprit qui essaie de s'amuser avec nous? On va savoir. Ouais, attention Fabrice, je tourne. Parce que là, tu sais qui c'est. Arrive ça... ici, ça caille. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes ici, s'il vous plaît? Là, vous êtes entre les deux, en fait. Entre les deux. Maintenant. Mais ici, il fait plus frais ici. Hein. Je suis gelé. Franchement, il fait plus frais ici. Faites un bruit. Faites-nous voir que vous êtes là. Touchez l'appareil qui est derrière Jacques. Faites-nous peur. Enfin, faites peur à Ludo. Il y a quelqu'un qui vient de parler. J'ai entendu comme un grognement. Non, moi j'ai entendu une voix. Il n'y a personne qui a parlé. Non, ça, non. Non, je te dis, j'ai entendu parler à l'oreille. Ça t'a dit quoi? Je sais pas, j'ai entendu un murmure. Tu m'as dit tout à l'heure là-bas. Tu m'as dit que tu as compris un truc. On en regardera, puis on verra si je me suis trompé ou pas. Bah, dis toujours, on sait jamais. Tu l'es. Mmh. Tu l'es? Moi j'ai pas entendu. Eh, putain, elle est dure cette enquête-là. Ouais. Mais j'ai entendu murmurer il n'y a pas longtemps à côté de mon corps. Ouais, si, quand je demandé. De toute façon, tu as dit que ta femme est sensible, on va l'entendre. Ouais, l'ambiance, elle est lourde là-dedans. Comment? Bizarre. Bizarre. Elle est bizarre. C'est... Vous ne moquez pas, je me sens vidé, c'est pour ça que je suis assis depuis tout à l'heure. Alors que j'ai rien fait de spécial. C'est, je sais pas, c'est spécial. Hein. C'est... Tu veux quoi, prendre l'air? C'est pesant. Ouais, il faut que je sors un peu de toute façon. On va prendre l'air. C'est pesant. Il y a... C'est quoi ça? C'est moi. C'est toi? Il y a un truc. Là. Moi ouais, je sens aussi. Hein. Je sens moi qu'il y avait. Ici là. Ici là c'est froid, puis là c'est chaud. Et c'est chaud là. Puis même dehors il fait chaud comme tout. Ouais, mais là c'est chaud. Là c'est frais. Tout à l'heure, je vous ai dit, pouvez-vous servir de moi à continuer si c'est vous. Mais donnez des réponses, s'il vous plaît. Je peux même vous servir de support. Ah, je ne peux pas aller trop loin non plus. Quoi. Non. Non, 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 pas trop. Il faut que je sors un peu. Allez, on sort. C'est quoi le bruit? C'est moi. C'est nous, c'est nous. Mais moi, je tousse. C'est frais ici. Ça va, Jacques? T'es où? Ici. Je suis passé, j'ai eu un petit feu. Tu veux? Ouais. Reste à côté, Fab. Tu restes écouté, Fab? Ouais. C'est là, je vois rien.
On va sortir, on a de l'éteindre derrière. Juste, je vais vérifier les caméras d'avant. Là, il charge apparemment. Ben, je vais essayer d'allumer pour voir s'il tient. Et si c'était encore, ben, j'ai à remettre en état d'usine chez moi. Là, tu vois, il a repris un peu de batterie. Ouais, ça fonctionne. Tiens, bon, je vais l'arrêter, on va se servir de celui-là. Ouais. Je vais le laisser charger. Tu vois, il va se taire. Ouais. Le spot est encore allumé. Hein. Le vert là ? Ouais. Non, c'est parce qu'il est branché. Non, mais le rouge. Non, ça, c'est parce que j'ai mis le port celui-là. Ah. Regarde la qualité. Il est pourri celui-là. Ah, bon, on verra. Ouais, t'as pas fait. Il y a plus de 10 ans le truc. Ouais. Ouais, il faut que je sors un peu parce que j'ai mis une angoisse là. Ah, il sort, tu mets. T'as tu pas eu l'angoisse. C'est peut-être ce que t'as eu tout à l'heure comme une angoisse. T'avais mal. Ouais, je crois. Ouais, c'est bien. Tu peux l'éteindre ? Ah, il fait chaud, il fait froid. Il fait chaud, il fait froid. Ouais. Ça veut dire que tout à l'heure, t'as vu tous les bugs qu'on a eu hier ? Tout marche nickel. Bah ouais. Bizarre quand même, hein ? De fou, hein ? Voilà mon premier ressenti. J'ai le nez qui gratte pour l'instant. Attends, premier ressenti, tout à l'heure c'était tendu, très tendu même. Là, pour moi, je sais pas pour vous. Ouais, si c'était. Pareil. On a fait plusieurs pauses. Les uns et les dernières pauses. C'était oppressant, mais ouais. Voilà. On est revenu pour l'instant. Il n'y a rien, rien de chez rien. Tu avais éteint la lumière sur celle-là de la caméra ? Quelle lumière ? Les trucs à phare rouge. Elles sont allumées les deux ? Non, c'est allumé. Non, ça fait pas tous des points là. Toutes les lumières rouges. Là, il y a le groupe, là, il est au-dessus du caméscope. Ah ouais, c'est parce que je ne vois pas sur le côté. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc pour l'instant, ben, on n'a plus rien. Enfin, on verra aux analyses, mais on n'a pas rien constaté comme ça. Hein. Non. Dans l'ensemble, c'est assez calme, sauf au début, ouais. Quand on a commencé. Là, c'est calme. Hein. On a peut-être une réponse de la mère à la propriétaire, Jenny. On verra bien. C'était beau, t'as l'air Jenny. Ouais, c'était sympa, ouais. 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 Je ne veux pas dire ce que je pense de la requête parce que. Tant qu'on n'a pas analysé. Un bon petit truc. Ouais, c'était bien. Cool là. On va voir après les analyses. Je pense qu'on va. Là, on va tout débrancher. On va remballer les caméras de surveillance, tout ça. Et puis, avant de partir, on va faire un coup d'épaulier, non ? Comme tu veux. Ok. Parce que là, pour l'instant, on n'a rien en caméra. Ouais. Je sais pas comment vous vous sentez. Ouais, on peut faire ça. On sent pire pour ouais.